Bonjour à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui nous sommes le 23 juillet, nous sommes donc mardi. Donc je vais me lancer dans cette illustration là pour cette semaine qui vient du Patreon d'Amandine Young. Donc je vous invite à aller vous abonner à son Patreon. Et je pense que vous connaissez la formule des Patreons, hein, je crois. Alors j'ai repris mon combo de la dernière fois où j'avais donc cette peau un peu métisse. Donc je vais la reprendre, je vais reprendre hein, le même combo. Et puis je mets ça en couleur. Alors, ce que je voulais également vous dire, je suis très contente de participer à la mise en couleur d'une d'une représentation, d'une illustration de son prochain conte. Ouais. Et en fait, j'ai eu l'illustration, elle est trop belle. Alors le conte, je l'ai, je le connais en fait. C'est un très beau conte encore une fois. Elle a, je sais pas pourquoi, comment elle fait pour choisir ses, ben voilà, ses contes. Et en fait, c'est, moi j'aime bien ce conte là. Ouais, franchement j'aime bien. Je participe donc à je lui donnerai l'illustration que j'ai faite. Et puis, quand elle... je pense que c'est pour la promotion de son nouveau compte. Au mois d'août, je crois. Ouais. Fin août, il me semble. Où elle, elle en parlera. Et puis, voilà. Donc, voilà. Et puis, j'ai eu un appel. Donc, j'ai dû couper la vidéo. Donc, voilà. Ça a avancé pendant ce temps-là. Donc, je téléphonais. Bon, avec un kit main libre, il n'y a pas de problème. Sinon, je ne sais pas. Alors, je pense que là, je vais faire un fond à l'aquarelle. Ouais, un fond étoilé ici à l'aquarelle. Alors, encore une fois, on a cette luminosité. Je ne sais pas pourquoi c'est si clair à l'écran. Parce qu'en réalité, c'est pas comme ça du tout, hein. Alors demain je devrais recevoir quelque chose normalement, donc je pourrais vous le présenter. Et puis j'attends mes petites aquarelles que j'ai pas reçues encore. Donc dès que je les ai, bien sûr, je vous les montre. Donc là je suis de la main gauche hein, alors que je suis droitière. Voilà. Donc, juste y aller tout doux, mais au moins, je peux reposer un peu mon épaule. Sandrine, tu m'avais dit, tu m'avais laissé un message dans le dernier vlog où tu me demandais de faire une peau noire avec les brutes funeurs. Alors, ce que j'ai fait cet après-midi, c'est que j'ai fait des essais, je vais les montrer. Donc j'ai pris mes brutes funeurs peau, en sachant que au niveau des brutes funeurs peau, j'avais acheté les 72, je pense, ouais, 72. Et en fait, non, c'était bien trop quoi, les 72. Il y avait les nuances de couleurs, c'était un truc pas possible à choisir et tout, c'était vraiment... Non, c'est bien trop, quoi, 72 couleurs pour la peau. Non, ça n'allait pas. Donc, je les ai revendus et j'ai racheté le plus petit format peau qu'il y avait. Alors, j'ai dû les avoir sur Temu. Bon, j'ai couru ça, rien du tout. J'ai de la chance quand même de pouvoir... bénéficier, je sais pas pourquoi, mais je bénéficie de grosses réductions en fait. Je sais pas pourquoi. Bon, t'as remarqué, tant mieux. Je crois que c'est ma patience qui paye, ça doit être ça. Donc voilà. Alors, je vais vous montrer. J'avais fait des essais, donc j'ai pris des photos IA. Donc là, j'avais simplement griffonné comme voilà, simplement griffonné comme ça. Et en fait, j'ai
pareil, hein, c'est de l'IA, avec les bruffineurs peau. Donc je n'ai pas continué, c'est juste un croquis. Mais voilà, j'avais trouvé ce combo-là qui me plaisait pas mal au niveau de la luminosité, que ça venait un peu comme ça, là, hop. Et puis, bon, j'ai pas fait le coup, j'ai pas fait tout ça, donc il faut imaginer un peu le truc comme ça, quoi, caché. Voilà. Et je trouvais que c'était pas mal quand même pour... Par contre, je trouve qu'elle n'a pas le... Bon, c'est de l'IA. Je trouve qu'elle n'a pas... l'expression d'une femme avec une peau noire, en fait. Donc, je vais reprendre l'illustration de Deria Carquissois, la petite jeune fille, là, avec ses cheveux qui partent un peu partout, là, tout crépus. Je la trouvais toute mignonne. Donc, la petite métisse que j'avais fait avec vous. Donc, je reprendrai celle-là, Sandrine. Et je ferai donc une illustration avec des petits passages pour ne pas remettre encore un speed coloring peau. Mais je mettrai des petits passages et je te donnerai donc les combos des couleurs peau. En sachant que, voilà, tu vois, les couleurs peau, ça, moi, ça représente que ça, hein, en brut funeur. C'était les brut funeur, tu avais demandé. Donc, ça ne représente pas beaucoup. Mais, bah, ça a été suffisant pour faire ce que j'ai fait là tout à l'heure. Mais comme une... vraiment comme une imbécile, pour ne pas dire autre chose. Je n'ai pas noté mon combo. Donc, en fait, allez, on va recommencer. Mais enfin, je sais à peu près les couleurs que je vais prendre. Parce que j'étais partie de mon nuancier. J'avais fait un nuancier. Donc, j'étais partie de là. Donc, ça devrait bien se passer. Alors, aujourd'hui, on a plutôt beau temps. Donc, je suis remontée à l'étage. J'ai fait mon nuancier en A4 des Light Fast. Voilà. Donc, ça donne ça. Bon, après, je l'ai fait de la main gauche aussi. Donc, c'était pas forcément facile. Mais j'ai pris beaucoup de temps à le faire. Mais au moins, il est fait. Donc, comme je voudrais faire mes nuanciers avec les gammes un peu plus sophistiquées, en A4, bon, les Light Fast, c'est bon, c'est fait. Ensuite, je viens de recevoir le Magical Woodland. Donc, je vais vous le présenter. Donc, c'est de Kate Pellerin. Une création de Poupie Cat. Donc, c'est un livre qui est assez petit. Donc, c'est une illustratrice en freelance qui aime un peu tout. Dans ce qui peut exister dans les mondes magiques, les créatures et les personnages. Elle a vraiment aimé faire les illustrations avec beaucoup de détails et avec son travail, sa touche personnelle en fait. Voilà. Tout vient de son imagination. Elle espère que ses dessins et son monde à elle nous apporterons un petit peu plus de magie, d'aventure, de chaleur dans notre vie, on le dit tous les jours, quoi. Donc merci beaucoup d'avoir pris ce livre. J'espère vraiment qu'il vous apportera beaucoup de fun et que vous en aurez beaucoup avec. Voilà, allez, on y va pour les représentations. Donc, a priori, on est sur une illustration par page. Le papier, super. Tiens, il est marrant celui-là. Oh, c'est rigolo. Un super petite sorcière. Oh, il est joli. Tout joli, joli. Pareil, on est vraiment dans un monde, ouais, un monde de magie, comme elle dit, avec... Il y a un monde aussi de scènes de vie, de choses comme ça. Il est très joli. Là, on a les petits trucs. On peut éventuellement faire un par jour. Ça reste très... Enfin, pour celle-ci, je trouve presque croquis, etc. Presque esquisse. J'aime beaucoup. Ici, on a un petit âge dans sa maison. Encore une petite maison. Et des petites... Oh, il est trop beau, la petite sorcière, là, sur le pas de sa porte. Voilà. Alors là, on est vraiment sur le partage, sur la joie, sur des bons moments partagés, ouais, des bons moments ensemble. La porte montre le chemin. Oh, c'est trop joli.
Et c'est vraiment... Oh, c'est joli aussi, ça, la maison, comme ça. Et, comment dire, les petits personnages, là, avec, en haut de la tête, petites feuilles. C'est mignon. Ah, il est mignon. Pourtant, je suis pas quand même trop dessin comme ça. Celui-là, je trouve cute. Voilà, cute. Ah, maison champignons, ça faisait longtemps. Ça, j'ai du mal, hein. Les maisons champignons, franchement, j'ai du mal. Là, on est comme dans une serre ou quelque chose comme ça. Potion magique. Oh, ouais, il est joli. Franchement, il est très beau. Et vraiment, la qualité, elle est chouette, quoi. Donc, voilà, il est relié. Par, bon, on regardera après. Donc, c'est du fil. Hein. Un petit lutin. Oh, il est beau. Elle est canadienne. C'est une illustratrice canadienne. Voilà. Donc, il est relié. Je termine ce vlog un peu tardivement. C'est vrai. Mais en fait, j'attendais un petit colis. Donc, ce que j'attendais, c'était... ce sont les aquarelles. Des aquarelles qui viennent du comptoir d'aquarelles de Mathilde. Donc, les bulles créatives sur Instagram. Sur Etsy, Matt's Drawing Shop 01, c'est le comptoir d'aquarelle. Donc, j'avais déjà celle-ci. Du coup, je me suis dit, je suis retournée sur sa boutique. J'en ai vu d'autres, forcément. Donc, j'en ai repris quelques-unes. J'ai essayé de trouver une boîte un peu plus grande pour les mettre tous. J'ai repris des verres parce que, bon, j'aime bien les verres. Donc, je suis tombée sur ces verres-là. Alors, attends, je vais essayer de te les montrer comme il faut. Mettons un peu d'ombre. Voilà. Alors, le vert, il y a du violet, enfin, c'est du mauve. Là, il y a un très joli bleu indigo. Donc, je te donne les couleurs. Donc, j'ai ici, donc là, j'ai du pan, couleur pan. Couleur pan. Oh, puis ça sent trop bon. Ici, j'ai mauve dioxazine. Beaucoup de lumière. Ici, en 3, j'ai de l'émeraude turquoise. En 4, j'ai du vert anglais, donc qui est ici. Donc, un vert assez fort. Ensuite, j'ai du demi-vert émeraude. Donc, c'est celui-là, le vert émeraude. J'ai également du bleu sarcelle qui se trouve là et ici. Et j'ai enfin du bleu indigo qui est là. Qui se trouve là, et elle m'a offert le Barbie. Voilà mes petites aquarelles de chez Mathilde. Donc je les ai mises dans mon petit carnet aquarellable. Un petit carnet, c'est vite fait. Donc ça, c'est déjà toutes les couleurs donc, que j'avais au niveau des aquarelles de Mathilde. Elles sont ici. Par contre, je ne les ai pas nommées, donc il faudrait que je retrouve la facture pour pouvoir les retrouver. Et j'ai donc... en fait, j'ai celle-ci de Mathilde et j'ai également celle-ci. Hein. Voilà. Voilà. Et j'ai rajouté donc les dernières qui sont ici. Donc, pan, mauve dioxazine, émeraude turquoise, vert anglais, demi-vert émeraude, bleu sarcelle, bleu indigo. Et on retrouve le rose Barbie. Ah, tu vois peut-être un peu mieux là. Donc, voilà ce que j'ai reçu. Donc, retrouvez bien, vous pouvez la retrouver dans comptoir d'aquarelle. C'est de l'artisanal vegan. Sur Insta, c'est @les-du-6-bulles-créatives. Et sur Etsy, c'est Matt's Drawing Shop 01. Voilà, comme ça, vous pouvez y aller. Vous ne serez pas déçus. En plus, c'est tout un... Comment dire quand vous ouvrez, quand vous vous servez des aquarelles et que vous, après, vous ouvrez les boîtes, vous avez cette odeur d'huile essentielle qui arrive vers vous. C'est magique, magnifique. Ensuite, je vais essayer de vous montrer quelques colos terminés. Donc, je ne les ai pas tous parce que j'en ai entamé quand même pas mal. Alors, je vais juste montrer 2-3 bricoles. Je ne montre pas les colos mystères parce que, comment dire, ils sont en bas. Et puis, je ferai peut-être une vidéo que sur les colos mystères, je ne sais pas. Donc, ça, c'est la mise en couleur donc, du dessin d'Amandine Young
de son Patreon que vous avez vu en début de vidéo. Alors bien sûr, moi mon papier est un peu saturé parce que c'est du papier très très épais, genre Bristol, hein, celui-là. Moi j'aime beaucoup, personnellement j'aime beaucoup m'en servir. Donc voilà ce que ça donne, je vous montre de près. Voilà, là ça a vachement saturé au niveau des yeux, mais bon, c'est tout, hein, c'est comme ça. Donc j'ai pris de l'aquarelle pour le fond. Pour ici, c'est de l'aquarelle. Ici, on retrouve de l'aquarelle schmink, il me semble. Crayon de couleur, ici, crayon de couleur. Ben, après, c'est du crayon de couleur partout. C'est des Faber-Castell, les polychromos avec des combos turquoise. Et quelques signaux uniball, couleur dorée, etc., etc. Pour que ça donne ça. Celle-ci, vous l'aviez déjà vue. En sachant que toute la robe, je l'ai fait au feutre, pareil, les uniballs, j'ai fait petit point par petit point, donc logiquement, tu vas voir que ça brille. Enfin bon, voilà, Christine Caron. Donc ça, c'est les deux terminés. Bon, après, avec mon problème d'épaule, j'ai pas pu en faire beaucoup, mais j'en ai entamé quelques-uns. Alors, on va aller voir dans le Fairy, dans les Clara Markova. Donc, Fairy Touch of Magic, j'ai terminé celui-ci parce qu'il me restait les petites souris à finir. Donc, celui-là est fini plutôt en ton pastel parce qu'ici, j'avais fait un ton, des tons plutôt vifs. Donc, voilà. Et là, on est plutôt sur des tons pastel. Je crois que c'est tout ce que j'avais fait dans celui-là pour ce mois-ci. Je regarde vite fait. Ouais, c'est tout. Ensuite, dans le Fairy Miracle. Alors, dans le Fairy Miracle, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai entamé? Parce qu'en fait, je ne les ai pas finis. Alors, il y a celui-ci qui n'est pas terminé. Alors, je dois faire tous mes contours encore. Donc là, le fond a été fait à la gouache. Je n'ai pas fait d'aquarelle, j'ai fait de la gouache. Mais j'ai tout à finir pour le fond parce que je voudrais mettre quelques effets. Donc, je repasserai du pastel gras dessus. Celebration, j'ai commencé par, j'ai fait celui-ci. Donc celui-ci, mon petit chat est fait à l'aquarelle. En fait là, c'est de l'aquarelle partout. Donc pour ça, j'ai pris les aquarelles Complexion. C'est ça, hein? Ouais. Donc c'est celles qui sont ici. Donc en fait, je les ai toutes. Donc je les ai mis dans cette grande boîte et toutes les petites boîtes que vous achetez, donc elles sont répertoriées ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 boîtes. Ici vous avez l'équivalent des 12 de la série en fait Complexion, en sachant que cette boîte là qui est plutôt la Tompo que l'on retrouve là, ici, en fait... je la trouve pas trop tompo quand même. J'aime beaucoup celle-ci qui est dans les couleurs vintage et assez claire. Donc c'est celle que l'on retrouve là. Mais bon, voilà. Donc j'ai fait ça avec ces aquarelles-là. Donc voilà. En fait, il faut que je finisse. Il faut que je fasse le fond. J'ai fait un petit contour à l'acrylique noir. Et ici, j'ai fait le fond pareil à l'aquarelle. J'ai essayé ici de marquer un peu... la différence de teinte en faisant comme des petits arbres. Voilà, j'ai fait comme des petits arbres. Et puis là c'est pareil, j'ai fait un peu d'herbe et tout ça. Bon, là il n'est pas fait, il n'est pas terminé, faut encore que je fignole 2-3 bricoles. Donc j'ai fait celui-ci. Bon, là il faut encore que je le finisse, hein, malgré tout. J'ai commencé également celui-ci. Donc celui-ci, c'est les Prismacolor. Bah oui, j'ai trouvé la facilité pour les faire. Bon, celui-là, vous l'aviez vu. Et il y en a un autre. Où est-ce qu'il est l'autre? C'est pas celui-là, c'est un bleu. Donc, il est bien dans le Fairy Miracle. Et que je ne l'ai pas vu. Pourtant, il se voit, hein. Attends. Ouais, donc celui-ci. Donc, j'ai commencé ici à faire ça, là. Donc, on m'a dit que ça devait être un fruit. Ah, je sais plus, j'ai oublié le nom du fruit. Bon, enfin, j'ai fait un fond à l'aquarelle. Le reste, ici, bah, c'est les crayons de couleur. Et donc là, j'ai commencé à faire... ça, moi, je l'ai vu plus en bois, au Marco Tribute. Donc, il faut que je le termine. Donc, ça, c'est à terminer. Donc, vous voyez,
j'ai encore à faire. Je vais le mettre dedans, comme ça, ça je le saurai. Donc ça, c'est les, puisque j'ai fait terminer et entamer. 4 saisons, c'est pareil. J'ai entamé celui-ci à l'aquarelle qui n'est pas fini. Donc là, je dois encore retravailler dessus. Mais vous avez donc un aperçu. Dans les grands classiques, tome 11, j'ai fait rien du tout. Dans les contes de fées, j'ai réalisé celui-ci, mais je crois que je vous l'avais déjà montré, au crayon de couleur. Et celui-ci qui a été fait le fond à la gouache, et je ne l'aime pas du tout. Et le reste a été fait, je ne sais même plus à quoi. Okay. Enfin bon, je l'aime. Celui-là, je ne l'aime pas. J'aurais dû faire ça beaucoup plus foncé, je trouve. Et les feuilles, c'est pareil. J'aurais dû les faire comme j'avais fait là. J'aurais dû les faire au crayon de couleur, hein, en fait, mélanger le tout. Ensuite, je termine ici avec le Jungle Magique. Donc, j'ai commencé celui-ci. Il est presque fini. J'ai encore ça à faire. Donc, celui-ci a été fait à l'aquarelle également. Parce que je ne me suis pas trop foulée au niveau des crayons, vu que j'avais vraiment sincèrement mal à l'épaule. Donc là, il faut que je le termine. Mais bon, voilà, il gondole un petit peu, mais pas trop, donc ça va. Celui-là est à terminer. C'est dommage, parce que le bleu est vraiment beaucoup plus turquoise que ça. Mais avec la luminosité, bah, vous ne voyez pas bien. Mais bon, c'est comme ça. Donc ça, c'était les quelques mystères que j'avais ici en haut. Donc j'en ai profité pour vous les montrer. Mais sinon, bah, écoutez, on s'arrête là. Ce qui est au niveau loisirs créatifs, bah, le diamond painting, j'ai pas avancé plus que ça, vous savez, m'arranger. Et puis après, qu'est-ce que j'ai? Bah, j'ai du point de croix. Là, par contre, j'ai bien avancé, mais je vous montrerai dans une vidéo spécifique, peut-être tous les 2 mois, je sais pas, parce que j'avance pas beaucoup. Eh bien, écoutez, sinon, voilà, je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine, de profiter du beau temps et de la chaleur si vous aimez. Moi, personnellement, ça m'accommode vraiment beaucoup. Donc, je colorie très, très peu quand il fait cette chaleur-là. J'y arrive pas, quoi. C'est vraiment compliqué pour moi. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.